Aujourd'hui, on va jouer à un jeu auquel vous vouliez absolument que je joue, c'est Ace Peace et je suis déjà 39. J'ai déjà des stats. Apparemment, j'y ai joué quand, je ne sais pas, c'est un mystère. Bon, du coup, on va un peu découvrir ce jeu. Je sais pas si ils ont, je sais pas, fait une grosse update ou j'en sais rien. Je sais pas pourquoi j'ai déjà un level. Alors, il y a des thugs, blablabla. Prendre level 25, vu qu'apparemment je suis déjà super fort. Il y a le boss des bandits. Ok, on va lui casser la bouche. Il est où? Je sais pas, je sais même pas où il est. Attends, si ça me dit quelque chose. Ah si ça, ok, ça y est, ça commence à revenir. Ça commence à revenir, ok. Les graphismes étaient pas comme ça, je crois, la dernière fois que j'ai joué. Mais je me souviens d'une map qui ressemble à ça. Donc, si je me souviens bien, donc ça doit être le boss, ok, c'est le boss bandit. Hop, on lui met un chichi stunt, ça rend plutôt bien. Ça rend pas deck, on lui met des gros punch. Pourquoi il veut trade avec moi celui-là? D'accord, allez, j'ai gagné. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais le level 40, tu explores une nouvelle île. Ok, cool. Ouais, tu veux trade avec moi? Ok, ok, moi je veux un fruit, donnez-moi un fruit. Vas-y, balancez. Moi je veux un fruit. Bon, du coup, je me souviens, mais oui, je crois qu'ils ont refait entièrement les graphes depuis que j'ai joué. Parce que là, ça ne me dit pas grand-chose en fait. Et les attaques sont cool. Là, le Shishi Sonson rend plutôt bien. Je crois pas que je puisse. Ah, si, je peux faire le air slash. Ah, ça rend bien, ça rend vachement bien. Et je me souviens, attendez, il faut que je retrouve ma vidéo à l'époque. Je crois que j'ai trouvé, ok. Je vous mets les images à l'écran normalement. Si j'y pense, j'y penserai bien sûr. Ça s'appelait pas du tout Ace Peace. Ça s'appelait Project New World. Et voilà ce que j'ai dit dans la vidéo. J'ai dit littéralement, ce jeu, il a du potentiel. Et bien, le voilà. Voilà, nickel. Les attaques étaient déjà aussi stylées d'après ce que j'ai vu dans ma vidéo, donc il y avait déjà tout ça en fait. Par contre, les graphismes n'ont rien été refaits, il n'y avait pas ces textures-là un peu stylées, il n'y avait pas encore ça. Donc le jeu existait, et c'est dingue parce que la vidéo, dites-vous, elle a fait 20 000 vues en 9 mois, ce qui n'est pas énorme. Et le jeu, genre j'étais en mode, ouais, il est sympa, les attaques sont cool. Il est mort, genre littéralement, le jour d'après. Donc bon, alors voilà en tout cas. Alors comment on fait d'autres trucs? Je vais essayer d'apprendre des choses, je sais pas. Est-ce que j'ai d'autres swords? Non, j'ai rien. Ok, on va du coup changer d'île. C'est parti, let's go. Waouh, je pensais pas qu'il y aurait un jeu comme ça qui reviendrait, n'empêche, c'est étonnant. Fruit dealer, attends, je peux lui acheter un fruit. Blablabla, bla, bla, fruit. Ok, 125 000 berries, j'ai 13 000, j'ai pas assez. Ah, il coûte une blinde. Ouais, c'est dingue. Ok, j'ai même pas assez pour un chop. Ok, donc les fruits sont un peu complexes à avoir, contrairement à Blox Fruit. Chaud. Oh, le dragon à 3. Frère, il coûte 30 euros. 30 euros le dragon. 30 balles. C'est littéralement le prix d'un jeu. Genre, enfin, bon, pas d'un gros jeu, mais genre, c'est le prix d'un bon jeu. Genre, tu peux t'acheter Minecraft avec ça. Ça fait un peu cher. 20 euros le gom-gom. Bon. C'est-à-dire que le gom-gom, il est légendaire, ça doit être l'un des meilleurs fruits du jeu. J'ai vu qu'ils ont le Gear Force sur ce jeu, donc c'est cool. Ils ont Phoenix, ils ont Magnet, Darkness, Magma, Electricité, Ice, Tremor, Gas, bla 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 bla, ils ont le OP. Ok, ils ont des trucs pas mal, ça a l'air pas deg. J'ai bien envie de voir les fruits du coup, vu que les armes sont stylées. J'espère que le jeu va être bien. Allez, c'est parti, allons sur la prochaine île. J'espère qu'on va tomber sur des dingues vraiment sur les prochaines îles. Le marchand de bateau, c'est Franky. Alors, prenons un sailboat, pourquoi pas. Je pense qu'il va être lent, j'aurais peut-être dû prendre le meilleur. Où est-il? Ah, il est là. Ouais, il est beau, c'est mon bateau. Il est beau. Je peux rentrer dedans? Je peux rentrer dedans? Non. Ok, ça c'est frais. Ça c'est cool. Ouais, il est tout petit. Non, j'ai envie d'avoir un meilleur bateau là. Et il nous faut un gros bateau. On est un capitaine d'équipage, mon frère. Sors-moi le galion, Franky. Ah, ben voilà. Là, ça respecte un petit peu plus. Et du coup, on peut rentrer aussi. On peut. Ah ouais, non, mais ça, c'est une salle d'équipage. Là, tu vois, là, on est bien. J'aime bien. J'adore le fait de pouvoir rentrer dans le bateau. J'adore les bateaux en général dans les jeux. C'est un peu. C'est une bateau. C'est une maison qui bouge. Voilà, ça fait vraiment très genre du voyage, je veux dire ça, comme on dit. Mais c'est vrai, j'aime bien les bateaux dans les jeux où tu peux te balader, tu peux y vivre. Où est-ce qu'on va? Je ne sais pas. Où j'aime? D'accord, ok. On va rester, on va essayer de choper les meilleures récompenses. Où est-ce qu'on va? Ah, on a une map, Vitef, donc niveau 1, c'était ici. Niveau 40, il faut qu'on aille ici. Ok, donc c'est là où on est, je pense. Attends, elle est bizarre la map en vrai. Attends. Est-ce que les îles, elles sont vraiment posées comme as? Genre en ligne, je trouve ça très drôle. Après, One Piece, c'est un peu comme as en base, hein, techniquement. Enfin, je veux dire en ligne, pas en carré. Donc, c'est ici la deuxième île. Ok. Et le PNJ. Oh, un coffre. On a open 200 balles. Waouh, super, frère. Je suis pauvre. C'est incroyable. On va mettre le spawn. Mets le spawn ici, Nami. Merci, frérot. Ça aurait été meuf. Je sais pas comment on parle à une belle dame. Vous savez, je n'ai jamais.
eu 3 clones dans ma vie. C'est pas vrai. Évidemment, c'est faux. J'en ai eu 47,5. Je suis le plus grand. Je suis soit le plus grand gigachat du monde, soit le plus gros fils de pute du monde, du coup. C'est incroyable. C'est avoir autant de meufs. Soit je suis un FDP, soit je suis un gigachat. Alors, Flash Step Trainer. Flash Step 25 000. On peut pas l'avoir pour l'instant. D'accord. Oh, tiens, Sanji. Sanji de Wano. Ok, d'accord. Ah, et la quête était ici. Ok, elle était en plein milieu. C'est bizarre, mais ça me va. Blablabla. Les clowns pirates. Ok, on prend la première quête. On va les stacker. Oh, ils sont vraiment... C'est vraiment des clowns. Ils font un peu peur. Ils sont effrayants. On pourrait les voir dans un niveau des jeux des backrooms. Genre... bref, des jeux des backrooms. Je vais pas citer de nom parce qu'évidemment, ce serait ce qu'on appelle du placement de produits. Bien sûr. Vous savez qu'il y a une époque où je pensais vraiment ça. Il y a une époque où je pensais que sur YouTube, si tu disais le nom d'un autre jeu, c'était du placement de produits. Et c'était une époque où, pour être honnête, beaucoup de YouTubeurs disaient ça. Hein. Genre, c'était une autre époque. Ok, on a gagné. Level up. C'était rapide. C'était super facile. Ça me va, ça me va. Ok, reprenons la quête. C'est 60, je crois, de toute façon, la quête suivante. Ouais, donc on va falloir qu'on farme celle-là pendant un petit moment. C'est parti, farmons-les. Et on leur pète la bouche en vrai. Donc, let's go. Et hit. Oh, aïe, aïe, je leur pète la bouche. C'est incroyable. Je suis trop fort. J'ai l'impression d'être ultra puissant, frère. J'ai même pas besoin de bouger. Hop, hop. Aïe, ok, non, je me fais combo. Ok, j'ai un point et demi. 2 points de vie, 1 point et demi. Ouais, ouais, c'est à ce point-là que je me suis fait casser la bouche. Il y a un truc, j'avais vu dans ma vieille vidéo sur le jeu, j'avais dit, ouais, le jeu, pour l'instant, il est facile. Je pense que ça deviendra plus dur plus tard. Je sais pas quel était mon avis là-dessus, à l'époque. Je sais qu'aujourd'hui, je trouve ça bien que les jeux soient faciles. Mais pas trop, pas trop, faut pas abuser non plus. Mais je trouve que, généralement, quand les jeux sont durs... ils survivent jamais longtemps parce que bah, la plupart des gens, on va pas se le cacher, surtout au début des jeux, on pue tous la sauce sur les jeux. Genre, il faut être honnête, il y a très très peu de gens qui sont bons sur les jeux. Et du coup, quand les jeux sont durs, en général, les gens se barrent. À moins que ce soit genre Dark Souls, parce que Dark Souls, c'est fait exprès. Et encore, le début de Dark Souls par rapport à la fin est super facile en réalité. Hein, genre, c'est violent. Dark Souls, le 3, je l'ai rage-quitte. genre, c'est chaud. J'ai rage-quitte à un boss parce que je n'y arrivais pas et j'ai juste arrêté le jeu. Et quelques mois plus tard, j'ai essayé de refaire les premiers boss, je les ai fait limite first try. Alors que les premières fois que j'ai fait le jeu, il était trop dur pour moi. Je sais pas où je voulais en venir, mais tout ça pour dire que je trouve ça bien que le jeu soit simple au début. Ça permet un petit peu de s'entraîner et tout, c'est pas mal en vrai. Moi je trouve ça bien, voilà, c'est mon avis d'aujourd'hui. Après, je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord parce que beaucoup de gens par exemple kiffent les jeux PVP. Moi c'est pas du tout mon truc les jeux PVP. Au contraire, je trouve ça trop dur. Sur Roblox en tout cas, je trouve ça trop dur et en général, faut que tu farmes pendant 15 ans pour. Pour être compétitif, c'est chiant. Je préfère un jeu comme LOL où tu lances la game et tu joues. T'as pas besoin de farmer pendant 15 000 heures comme genre Blox Free pour devenir bon. Vas-y, on va mettre plus de points dans l'épée. On va mettre 60 points. On va tout mettre. On va vraiment. Non, peut-être pas tout. On va mettre 33 dans l'épée comme ça. Voilà, je vais mettre des dégâts de malade et 30 dans la def parce que je me suis fait casser la bouche. Et ça devrait aller pour l'instant. Oh, il pleut! C'est Minecraft ou quoi? Il y a la météo? Incroyable! Waouh, c'est la technologie, les mecs! Ils ont fait une dunce! Non, je rigole, évidemment. Après, c'est cool, hein. Genre, je disais pas ça pour être méchant envers le jeu. C'est sympa, la petite, le petit détail. Mais on s'en fiche, voilà. Je sais pas pourquoi je commence là-dessus. C'est là où je veux en venir, ça servait à rien. Oh, j'ai eu un fruit! J'ai eu un fruit dans les récompenses d'AFK. Ok, alors, le fruit. Où est-il? Fruit bag? Ah non, il est dans ma barre. Ok, on le mange. Tu veux quoi, toi? Tu veux trade? Ok, t'as quoi à me donner? T'as quoi à me donner? Donne-moi un fruit. Tu sais ce que j'ai pour toi? Rien. J'ai rien du tout. Moi, j'accepte. Vas-y, balance les fruits. Il va pas me le donner. C'était sûr! Pourquoi tu trades? Pourquoi le frère, il trade? Il me montre qu'il a des fruits, il flex et il me donne rien. Moi, j'ai rien à te donner. Bon, du coup, mangeons le fruit. Boum, j'ai le seum. Mangeons-le. Let's go. Il est mangé. Je suis mort. Ok, et maintenant j'ai un fruit. Comment on reset les fruits dans ce jeu? Est-ce qu'il faut mourir? Je sais pas. On va. C'est où? Le shop store. Je fais pas attention à ce que je fais, ça se voit. Oh frère, j'ai trop à lire. Je sais pas lire. Je crois qu'on peut juste reset, genre facile quoi. Y'a pas besoin de payer, on dirait. Y'a les stats qu'il faut payer pour reset. À part ça, je vois pas de. Je vois pas de reset autrement pour les fruits. Donc ce serait pas mal. Ça, ce serait plutôt cool. Ok, donc là, il me faut minimum 30 points de stats pour faire une attaque. Ça fout un peu le seum. C'est vrai que j'aurais dû y penser avant. Bon, et bah, c'est pas grave. Je vais juste retourner farmer. Oh, les PNJ, ils ont des parapluies quand il pleut. Bah, sauf qu'elle l'a pas déplié. Donc c'est. T'es un peu. Elle est spéciale. Elle est très spéciale, bien sûr.
elle fait ce qu'elle peut, voilà, il faut pas juger, elle est un peu bête, voilà, il faut le dire. Déjà, la meuf, elle traîne juste à côté des clowns qu'elle veut que je tue. Donc, c'est pas forcément le truc le plus discrètement trouvé. Frère, je me suis fait stunlock. Je me suis fait combo, mais grand mort. C'était violent. On retourne, d'accord, on n'a rien vu, vous n'avez rien vu, je vais juste les éclater. Et en vrai, je vais être honnête aussi, deux minutes, je vais l'avouer, bon, frapper le Boogie, le clown, la version Lidl de Baggy, c'est un peu... ça commence à être un peu répétitif, mais les comps sont bien, c'est réactif, c'est frais de dingue, genre pour l'instant, hey, honnêtement, je kiffe bien. Je sais que la première fois que j'ai joué, c'était donc il y a 9 mois, entre-temps, je suis tombé enceinte et j'ai eu un enfant, bien sûr, de 9 mois, c'était le temps qu'il fallait. Je sais pas où je vais en venir avec cette blague, c'est même pas une blague, hein, je sais pas où je vais en venir. Non, en réalité, à l'époque, j'avais même pas joué à Blocks Free à 100%. Je me souviens que c'était un truc que j'avais dit dans la vidéo, j'avais dit MDR, j'ai jamais fini un jeu One Piece. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir juger, mais genre encore plus violemment. Et j'ai fini de fermer les boogies. Let's go. Il faut fumer qui après? Le King Boogie? Ouais, Clown Boss, ok. Là, c'est vraiment. C'est Boogie, là, c'est pas pareil. C'est. Ah ouais, c'est vraiment Boogie le Clown. Non, là, c'est pas Boogie le Clown, là, c'est Boogie le blagueur. Là, c'est chaud. Bon, fumons-le. Mais bref, ouais, en vrai, je sais pas, j'ai bien envie de farmer. Je me sens chaud là pour farm. Et en même temps, on a toujours pas eu la match de Blocks Free. Ça va faire quasiment un an qu'on n'a pas eu de match de Blocks Free. Ça commence à faire un moment. Mais du coup, moi, on peut patienter. On peut tester un autre jeu pendant ce temps-là. Oh non, il y a de l'orage. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a le combat de boss. C'est un combat épique contre Boggy. Et donc là, eh ben, je l'ai tué. Voilà, c'était ultra facile. J'ai eu du stuff. Let's go. Let's go. Plus 100 points de vie. Let's go. J'aime bien avoir du stuff. Ah non, je suis. Waouh. C'est pas un nez de clown là, c'est un sourcil de clown incroyable, il est trop beau, je me sens beau comme un chameau. On va peut-être mettre un autre visage. Ouais, techniquement ça passe avec un visage de Roblox de base, ça marche à peu près. On va peut-être rester là-dessus du coup pour l'instant. Bon, au moins on a du stuff, j'espère qu'il y aura plein de stuff. Genre, je vais être honnête, c'est un truc qu'on avait découvert sur je sais plus quel autre jeu. Pixel Peace, je crois, qui avait des stuff vraiment en mode RPG en fait. Et c'était sympa, alors que pour le coup, je vais encore comparer avec Blocks Free. Blocks Free, pour ceux qui jouent pas, en gros, t'as quelques accessoires que tu peux avoir. T'en as genre pas beaucoup en vrai sur le jeu, t'en as peut-être 30 en tout. Et tu peux en équiper qu'un seul. Donc en réalité c'est genre t'équipes le meilleur accessoire pour ton build et c'est à peu près tout. T'as pas vraiment de stuff à farmer par exemple. Donc j'aimerais bien que ce jeu se soit un peu différent là-dessus. Après, vu que c'est un jeu assez entre guillemets vieux, vu qu'il y a quasiment un an, je sais pas comment. Ah, je vais un spin de race. D'accord, donc si je veux plus être un Mink, je peux spin autre chose. Je m'en tamponne, je vais pas aller le faire parce que j'ai pas envie de perdre Mink. Mais c'est bien de savoir qu'on peut avoir ça tous les jours du coup. On va ouvrir le coffre aussi là, hop. Du coup, attends, parce que je suis en train de réagir. Donc ça, c'est tous les jours. Ce que je viens de gagner, je sais même plus où c'est, j'ai déjà oublié. Ça, c'est des récompenses qu'on a tous les jours. Je les ai vraiment perdues, c'est chaud. Donc, ça veut dire que tous les jours, t'as un fruit commun. Probablement un fruit rare aussi. T'as un spin, t'as quand même des plutôt bonnes récompenses tous les jours, c'est plutôt cool. J'apprécie que le jeu soit généreux comme ça. Et du coup, c'est quel niveau que je me barre et que j'arrête de fumer Boogie parce qu'il me fait vraiment pas beaucoup de fric, hein. J'ai besoin de beaucoup plus d'argent. Où est la map? La map est ici, faut vraiment que j'apprenne à écouter cette fois. La prochaine, 90. Ah, ça va prendre un petit moment à farm. Bah c'est parti, on va farmer en... Ah, j'ai XP x2 là en plus. Donc ça prend vraiment un petit moment dès le début avant d'avoir des trucs. On n'a pas un petit katana à acheter, genre une nouvelle arme aussi, ce serait quand même plutôt sympa. Mais je vois rien sur cette île. Là il y a Sonji, mais à part ça, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y en a pas pour l'instant. Ça fait un peu le seul. Faudra attendre peut-être la prochaine île avant d'avoir une nouvelle arme. Comme ça on pourra tester des trucs de dingue. Mais en attendant, j'ai combien de stats? 60 points, pas mal, on va mettre 60 du coup dans les fruits. Mon build est éclaté, hein. Genre je tiens à vous le préciser, mais vous inquiétez pas, on va s'améliorer. Ok, testons le nouveau fruit. Booger Blast, la bombe crotte de nez, hein. J'ai honte d'avoir dit ça. J'ai un minimum de classe, et bah là je n'ai plus la classe. Ok, là c'est une grosse explosion, d'accord, pas mal. En vrai, c'est le fruit bombe. C'est le fruit bombe, c'est le plus éclaté probablement de tout One Piece. Et ça rend pas mal. Ça rend pas deg, j'aime bien, j'apprécie, je trouve ça très, très beau. C'est des belles explosions. Je me sens un peu plus comme Bakugo que comme Crotte de nez le clown. C'est pas un clown, mais c'est un peu un clown. Bref, c'est cool, j'aime bien. Et en vrai, no joke, ça marche plutôt bien. Et là, t'enchaînes, tu fais hop, un coup d'épée. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va essayer de faire un combo. On va essayer de faire vraiment des dingues. Vas-y. Là, on fait reculer Boogie.
on lui met crotte de nez, explosion, explosion, quand tu veux. Ok, let's go. Shishi Son Son. Ouais, pas mal. En vrai, ça flow plutôt bien. C'est plutôt stylé. Ça a un bon flow, voilà, simplement. J'ai pas d'autre façon de le dire, c'est cool. Est-ce qu'on peut apprendre le flash step, monsieur Sanji? Oui, 25 000, j'ai l'argent. Ok, faut que j'appuie sur T. T. Waouh. T. Ok, ok. Et il est ok. Je sais pas si je l'utiliserai, mais pas trop mal. On commence à s'améliorer. J'ai envie d'avoir le haki. Il faut que j'aille voir sur internet comment on l'a. Je suis sûr que je peux pas pour l'instant, mais c'est pas grave. Et vu qu'on comparait avec Blox Free, vous savez ce que j'aime bien actuellement, c'est que comme sur Blox Free, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, tu appuies sur la comp et bam, ça se lance direct. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas une animation de 5 secondes où tu te charges et qu'après tu frappes, patate. Non, tu frappes, c'est genre bam, direct, c'est rapide et j'apprécie, j'adore les jeux comme ça. C'est la raison, je pense aussi, pour laquelle j'ai pas accroché avec GPO par exemple. Parce que GPO, c'était tout l'inverse. C'était vraiment, t'appuyer sur la compétence, c'était « Attends, je me mets en position et après je frappe. » Et le problème, c'est que du coup, je me faisais tout le temps tuer pendant le chargement de l'attaque. À chaque fois, c'était le même souci. Et après, c'est un style de combat. Hein. Je pense que c'est juste une préférence. Parce que on parlait de Dark Souls tout à l'heure. Dark Souls, il y a beaucoup d'attaques comme ça où il prend du temps à frapper et tout. Mais j'ai jamais été très fan de ça. Par exemple, Monster Hunter. J'arrive pas à accrocher à Monster Hunter parce que justement... C'est lent de dingue et j'y arrive juste pas en fait. Pourquoi tu veux échanger toi? Tu veux encore juste flex? Vas-y, tu veux me donner quoi? Ok, Shark Blade. Ok, j'espère que t'as vraiment envie de me la donner. Hein. Ok, et un Fruit Ice. Et, frère, il est juste en train de me prendre pour sa poubelle le frère. D'un coup, je vais te donner quoi en échange? Moi, j'ai rien pour toi. Et il a juste annulé. Pourquoi les gens dans ce jeu? C'est quoi le mec qui veut faire une offre pour Ice? D'accord, le mec est juste vraiment tellement... Genre déprimé, il veut tellement se débarrasser de son fruit ice, il lance des trades à tout le monde. Le mec est désespéré. Vous savez comment ce jeu peut me convaincre d'y jouer de dingue? Il faut qu'il rajoute le Gear 5. Il faut, c'est tout, voilà, il faut le dire, le Gear 5, Gear 5, vous l'appelez comme vous voulez. Il nous le faut dans ce jeu, c'est tout. S'ils ont le Gear Force, let's go, faites le Gear 5. Quand est-ce qu'il y a... C'est là où je veux en venir surtout en fin de compte. Quand est-ce qu'on aura le Gear Force et le Gear 5 dans Blox Free? C'est tout ce que je veux. Je veux jouer comme Ras dans un jeu, un bon jeu Roblox One Piece. C'est tout. Blox Free, s'il y a un dev qui m'entend... Ça n'arrivera pas, mais s'il y a un dev qui m'entendait comme par miracle, s'il vous plaît, faites-le. Vous avez pas les couilles, faites-le. Vous savez que vous pouvez le faire. Allez, prenez votre courage à deux mains, vous pouvez le faire. Faites-nous une dingue, s'il vous plaît. Peut-être que j'essaie de vous provoquer pour que vous le fassiez. C'est possible, peut-être que vous avez dû perdre mon jeu, effectivement, mais faites-le. Voilà, c'est tout, s'il vous plaît. Je vous supplie, je me mets à genoux. J'ai pas beaucoup de choses à vous offrir, si ce n'est mon respect. C'est déjà pas mal. Je le donne pas à beaucoup de gens. Voilà, s'il vous plaît. Oh, attends, il y a un mec qui a le fruit de la glace. Oh, wow, c'est stylé. Je crois qu'il est en train de m'éclater le frère. Vas-y, fume Baggy. Fume-le. Vas-y, on t'observe. Vraiment, je t'observe de dingue. Et il a un sabre, pas comme le mien. Oh, c'est beau. C'est pas mal. C'est pas deck. Tu peux lancer une autre attaque. Vas-y, fais-le. Do it. Vas-y, fais-le. Attends, je suis en train de faire des dégâts ou pas? Non, je crois pas. Ah, oh, trop bien, donc on peut jouer ensemble. J'ai eu le kill. Tu l'as eu aussi? On dirait pas. C'est un problème, ça c'est chiant. On peut se mettre en groupe. Tiens, encore un mec qui veut trade, tu veux quoi? Le fruit mammouth, le fruit électrique. Et pourquoi les gens dans ce jeu, ils te lancent des trades comme ça? Genre ils espèrent que tu vas leur donner un truc. Tiens, moi j'ai un katana. Genre, ah il l'a déjà. Moi j'ai un netkun, il l'a déjà. Mais j'ai rien pour toi mon frère. Moi j'accepte. Il va retirer le trade. Tu vas voir, s'il me le donne, c'est... Non, évidemment. Ça, pourquoi j'ai jamais vu ça sur d'autres jeux? Ok, nous sommes 90. Est-ce qu'on s'arrache? Oui, on s'arrache. Nous allons à Arlong Park. Je vais dire Marineford, frère. Ouais, tranquille. On va à Marineford, c'est la deuxième île du jeu. Let's go. On perd pas de temps. Allez, c'est mon bateau en voiture, Simon, comme on dit chez moi. Non, personne dit ça. Voilà, je vous l'avoue. Il faut le dire. Allez, vroom vroom, c'est là-bas. Et on les voit, les îles. Elles sont à 2 mètres les unes des autres, frère. Tu pourrais sauter, tu pourrais vraiment juste. Jump, t'arrives d'une île à l'autre. Hello, Arlong Park, I am here. Watashiwa Kita, Watashiga Kita, je sais pas, je m'en fiche. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ziggy, crap, Timothy, un crabe. Je suis un crabe, tu veux apprendre un secret? Il y a 10% de chance d'obtenir la Shark Blade du Shark Boss. Merci, Ziggy, Craptilo.
Je sais pas. Non, il a une voix plus raffinée, Ziggy, il a un petit haut de forme. Il dit, bonjour, je suis un crabe. Est-ce que tu veux connaître un secret? il est très excitant. Excité, je ne sais pas. Oui, il m'excite. C'était bizarre. Bref, suivant. Faites comme si vous n'avez rien entendu. Donc, il y a des fishman, d'accord. On va éclater les hommes poissons gratuitement. C'est pas très 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 sympa. Ils n'ont rien demandé. Regardez les pauvres. Les pauvres hommes poissons. Même les pauvres clowns tout à l'heure. Les pauvres gars, juste, ils sont là. Ils sont en place, ils chill, ils chill un max, ils ne bougent pas, ils n'ont rien demandé à personne, et juste on les agresse gratuitement, tout ça pour un peu d'argent. Après on va être des pirates, hein, donc c'est vrai que bah techniquement on est juste là pour leur prendre leur argent. Et je suis déjà 92, c'est vénère, ça monte super vite avec le x2. Hop, et là on a toutes les techniques de fruits du coup. Vas-y, on va prendre la quête, on va se faire un plaisir, on va les exploser. Ok, attends quoi? Attends quoi, je crois que je viens de lire le texte de quête un peu de... Une fois qu'on aura fini de tuer les hommes poissons, on pourra ouvrir un sushi shop. Frère, ok. J'ai l'impression qu'on ne joue pas les gentils dans ce jeu. J'ai comme l'impression que nous sommes des malades. Bon, allez, c'est parti, faisons l'exploser. Ok, let's go. Ça, on l'avait vu. C'est la première attaque qu'on avait. Ça, on l'avait vu. C'est la deuxième attaque qu'on avait. On fait des gros dégâts. Bombe, launch. Oh, le punch. J'adore. Ok, trop bien. Et la dernière, détonation. Oh oh. Et je suis encore en vie. Je suis encore là. Voilà, super. C'est cool, détonation. J'explose sans mourir. Vas-y, venez tous, venez tous, venez tous. On vous éclate. Let's go. Détonation. Ah, je peux voler. Au revoir. Adieu. Ça fait aucun dégât. Ça les repousse même pas. C'est un peu triste en vrai, par contre. Ok, bam, bam. En vrai, j'aime bien le fruit. C'est dingue, c'est le fruit bon, mais déjà, il est cool. Ça veut dire que les fruits légendaires, mythiques, j'imagine. J'essaie d'imaginer. Ça doit être trop bien. Ça doit être vraiment trop, trop, trop bien. J'ai hâte de les tester. Ok, j'ai pris plein de codes. Maintenant, j'ai de quoi. Je suis encore perdu dans les stats. Stats. Je peux reset mes stats. Donc, on peut faire un bon build. Est-ce qu'on pourrait avoir un fruit dans ce coffre? Un fruit. 22 gemmes, c'est pas grave, ça veut dire qu'on peut aller roll un fruit en fait. Donc c'est pas mal quand même non plus. Allez, c'est parti, où est mon bateau? On va roll des fruits, let's go. En fait on a des fruits super vite dans ce jeu. Je pensais que ça allait nous prendre 15 ans. Et bah non, nous sommes déjà. Wesh wesh, bienvenue. Pourquoi bienvenue? C'est moi qui arrive. Bonjour, alors bonjour bonjour. Donc j'aimerais un fruit. Je veux spin, 50 gemmes. Donnez-moi. Attends, j'ai eu le OP. Non, ok, d'accord. Ils m'ont fait une feinte là. C'était pas très sympathique. Vas-y, un bon fruit. Juste un fruit que j'ai pas. Oh, yes, le fruit de Kuma. Attends, il est trop bien lui dans ce jeu. Il doit être trop trop cool. Vas-y, on respin. On y croit. Donnez-moi un fruit incroyable. Le gomme gomme. Ou le dragon. Le gomme gomme. Non, pas le barrière, pas le barrière, pas le... Non, demi-tour, demi-tour. On va manger le barrière pour l'instant, parce que je suis curieux de voir comment ça marche. Je vais spawn sur le tri. J'ai fait une erreur, j'ai fait une grave erreur de ma vie. Ah, bah et me voilà, bonjour, voilà, super, je me suis planté. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, voyons voir, j'ai déjà toutes les attaques. Spike, bam, pas mal, pas mal. Hammer, j'ai rien vu, mais ça avait l'air pas mal. Vas-y, on va le faire de plus loin. Hammer, oh oui, ça rendait bien, ça rendait très très bien. Et slam down, j'ai rien compris, mais c'était stylé. Ok, pas mal. Et il est super rapide. Attends, mais il est trop, trop, trop fast. Genre, vraiment, c'est ce que je vous disais. Je trouve le jeu est trop, trop rapide. Ça doit être un peu horrible en PVP parce que tu dois pas pouvoir prédire vraiment où sont les adversaires quand ils t'attaquent. Et ça, c'est un peu dommage. Et en attendant, c'est fast. C'est fast de ouf. Vas-y, reprenons le fruit de Kuma parce qu'on va pas rigoler. C'est lui que je veux actuellement. Ok, un fruit mystérieux. Je le mange. Et je suis désormais mort. Voilà, super, je suis désormais un homme ours. Voilà, j'ai toutes les attaques. J'ai déjà tout, let's go, il y en a 4. Ok, beau shot. Oh, il a l'air cool, bam. Ok, il est sympa, pour une première attaque c'est sympa. Ça fait le taf, c'est ok. Beau barrage, oh, ça fait le taf, c'est pas mal, j'aime bien. Red peau, oh. Ok, ça c'est pas mal aussi, et en vrai il a l'air plutôt rapide. Il va être satisfaisant je pense. C'est que des coups de poing. Et beau nuke. Oh yes, ok, je peux le charger, je suis en train de le charger je crois. Je sais pas, je sais pas mais... Oh ok, je m'attendais à plus explosif, je vous l'avoue. Je m'attendais à faire vraiment une explosion gigantesque, mais ça reste plutôt cool. Et il est trop rapide, il est trop bien. Il est trop trop bien, vas-y j'adore ce fruit. On va juste le spam, bam, ponyuk. Oh frère, je me sens fort, là je me sens fort. Reset, on va reset les stats, hop, refound, let's go. Je veux exactement 50 points en défense et 238, tout ce que j'ai en fruit. Et maintenant, bam, maintenant, on one-shot absolument tout. Non mais attends, mais c'est trop violent. C'est trop fort, je suis OP. Waouh, trop cool, le jeu est frais.
Le jeu est satisfaisant de ouf. Tesson contre un boss. Bon, c'est pas Guy, c'est pas le plus fort que je puisse affronter, mais ça fera le travail. Vas-y, beau shot déjà. Bam. Ensuite, on l'enchaîne. Bam, 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 bam. Ensuite, on lui met quelques petits coups au corps à corps. Je mets cher au corps à corps. J'ai fumé. J'ai même pas eu le temps de balancer mon ult. Je mets trop cher. Visiblement, là, vous voyez, je mets des coups de poing. Genre, c'est un peu la même que quand je suis en mode combat. J'ai aucun point dans les stats combat, mais mes auto-attaques de fruits font quand même mal. Et ça, c'est cool. J'ai pas besoin d'avoir un build un peu pété ou genre mes auto-attaques sont nulles parce que j'ai pas de points dans le combat. C'est vraiment, je suis fruit. Je suis fruit, quoi. Je suis Luffy. Je mets des coups de poing sa mère et j'utilise mon fruit. J'ai pas la quête, mais on va quand même essayer de faire Arlong parce que j'ai envie de voir si on peut dropper son arme. Ça nous servira à rien, je sais, mais je la veux, c'est tout. Attends, c'est qui ça? Il y a un PNJ là-bas. T'es qui, toi? Ah, c'est Nami. Oui, c'est vrai que j'aurais peut-être dû me spawn ici avant. Ok, let's go. Est-ce qu'on peut fumer Arlong easy? Bam, 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 frère. Bam. Il peut rien faire. Pauvre gars. Pauvre gars, il ne peut rien faire du... Ok, il est en train de me faire mal, là, quand même. Il est en train de faire des choses. Ok, bam, 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 bam. Ok, on va écarter un peu. Red Pow, let's go. Pow Nuke, let's go. Et coup de poing, voilà, il est mort. Il est facile à tuer. Il est trop nul, frère. Il pue, c'est incroyable comment je suis trop fort. Pourquoi il y a des pétales juste là? C'est étrange, c'est très suspect. Bon, ça fait le taf en vrai. C'est plutôt pas mal, j'aime bien le jeu. Et si ça vous intéresse, je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire hey, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Abonnez-vous surtout. Faites ça parce que je pourrais voir comme ça si la vidéo marche giga bien et on y rejouera. J'aime trop. On va jouer à ce jeu, je pense, le temps que Blox Queen n'est pas là. Hein. On va faire ça si ça vous intéresse. Parce que il est cool. Voilà, il est juste cool.